freestyle. Et puis c'est vrai qu'Hip Hop Freestyle, ça accueille de plus en plus d'artistes à travers toute l'Île-de-France, à travers toute la France. Mais c'est vrai que la base, ça reste quand même Nanterre. Et donc c'est un plaisir d'accueillir aussi des artistes de Nanterre. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien avec vous? On va vous laisser. Ça va super, nous. Excuse-moi. Eh ben, je réponds à la question. Je vais bien, moi. On va vous laisser vous présenter vite fait, dire un petit peu votre place, ce que vous faites, depuis combien de temps vous êtes dans la musique. On vous écoute. Alors moi, c'est Lat. Là, il y a mon frère Obalfa. En fait, on a monté notre petit label qui s'appelle Kaya Records. Donc de base, nous, on est de Nanterre, hein, on a grandi au Pesaro, dans la préfecture. Très bien. Voilà, et puis nous, la musique, c'est notre lifestyle, style de vie, tu vois. Parfait. Voilà, c'est ce qui nous... C'est l'énergie, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et puis en plus, c'est des habitués, hein. Ils sont là, habitués, ils connaissent un peu les hip-hop freestyle. Est-ce que vous voyez d'ailleurs des améliorations? Est-ce que ça s'est amélioré au niveau franchement, du mic? Est-ce qu'il y a du monde de plus en plus? Il y a plus de monde. Même au niveau de, voilà, de, des flyers, de, du graphisme, tout, ça fait plaisir de voir que ça se structure même au niveau de la radio. Ouais. Vous, c'est vous êtes toujours opérationnel, vous. Ah, toujours, toujours. Et là aujourd'hui, c'est vrai qu'on a sorti la table de mixage, on est sur Studio MC qui est la nouvelle web radio aussi. Donc c'est vrai que voilà, c'est un plaisir. Et puis comme on t'a interviewé avant ça, c'est vrai que c'est un plaisir de t'accueillir maintenant qu'on est un petit peu plus installé. Là il se dit qu'est-ce qui se passe, c'est qui les mecs et tout, c'est nous, t'inquiète pas, c'est les mêmes que la dernière fois. Avec tous les boutons. Voilà, c'est ça. On va pas essayer de toucher à tout parce que sinon voilà. Le pire dans tout ça, c'est que c'est moi qui commande, donc ça fait flipper quand même. Mais le pire de tout ça aussi, c'est qu'on dirait qu'il y a plein de boutons mais on en utilise que 3 dessus. C'est vrai, c'est vrai. On dit la vérité. Pour revenir un petit peu à la musique, excusez-moi de pomper l'ambiance. Ah vas-y, on est là pour faire l'interview. Explique-nous, mec. Du coup, je voulais rappelle-moi ton blague, je suis désolé. Là, très bien, parfait. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta collaboration et comment vous êtes rencontrés, comment vous êtes mis dans la musique? On t'écoute. Alors à la base, on est frères. Très bien. Donc, ah d'accord, donc ça facilite les choses. Okay. En plus, il y a un petit air de ressemblance là. Ouais, c'est vrai, dans le sourire. On le dit. Ouais. Donc à la base, on est frères, donc Lat, il a commencé le rap il y a bien longtemps. Ouais. Et voilà, comme tout petit frère, je me suis inspiré du grand et c'est comme ça que j'ai commencé, quoi. Très bien. Ah, c'est joli ça. Et le grand frère qui entend ça, qu'est-ce que t'en penses, cette petite phrase-là? Ouais, ça fait plaisir. Au début, j'étais pas trop chaud pour qu'il suive ce chemin-là, mais vu qu'il a du talent et qu'il est sérieux, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, quoi. Il y a des projets en duo qui se préparent? Ou alors on reste un petit carrément. Peu, En fait, lui, il prépare son projet, c'est un artiste solo. Ok. Donc j'ai décidé de le produire. Parfait. Donc là, il est en mode jet, il est au studio, il prépare des tueries. Il a déjà sorti un clip. Et là, sur mon premier album, on a fait un featuring aussi. Ah là 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 là. Est-ce que vous pouvez nous balancer un petit peu vos chaînes YouTube? Où on peut retrouver vos clips? Ou est-ce qu'on peut vous suivre? Chaîne YouTube, savoir un SoundCloud, petit peu... Facebook. Ouais, tout ça. Alors, en fait, c'est tout simple. C'est Lat, L-A-T officiel. Ok, très bien. Il y a tous mes clips. Sur Facebook, c'est pareil. Il y a Lat Balfa comme ça. On s'est dit, on va se faire un truc tout de suite, un freestyle improvisé. N'est-ce pas, Maël? Exactement, donc c'est parti. On a fait checker l'instru juste avant. Toujours Studio MC. Ils sont avec nous ce soir. On profite de ça tous ensemble. Bienvenue tout le monde. Studio MC. J'ai le somme, j'ai la déter, j'ai le flair. Si je t'enterre, c'est sans la hache de guerre. Rien à foutre de ta vie, de tes mystères. J'ai la colère de la rue et de la misère. Nique ces bâtards, ces traîtres et ces pervers. Je suis un pirate depuis le système scolaire. Je parle que de rallye, c'est le nerf de la guerre. Je pratique son art, comment veux-tu me la faire? Le vice c'est l'astuce d'un mec de Nanterre. Sous quatre plans, je suis et plus proche de l'enfer. Je glisse dans le rap et bouillante et des mers. Et les arroser comme un canadaire. MC, décroche-moi ton arme de service. Et fais-toi la tombe comme un commissaire. La liberté n'a jamais eu de prix. Je serai plus malin que les poursuites judiciaires. Personne ne veut que ces négros réussissent. Ils ont toujours voulu qu'on se divise. Pendant que la street enchaîne les sacrifices. Lat Balfa, franchement, il faut aller regarder ça. Lat officiel, partout, on peut te trouver partout, c'est ça? C'est ça, Facebook. Et puis Balfa, le petit protégé de Lat, parce que c'est des frères, on le rappelle. C'est ça, ouais. Et vous allez voir, ça arrive du très 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 lourd. Nous, on va rester à l'affût, hein. On va regarder ce qui se passe, les gars. Si vous voulez nous inviter, placer 2-3 petites têtes dans vos clips, voilà, on est là. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Toujours, les gars. Famille, c'est normal, merci en tout cas, merci les gars. Merci beaucoup. Merci à vous, les gars. Merci, à bientôt. Et on vous retrouve très vite. Ça marche. Checkez tout ça, merci beaucoup.